looking. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette italienne. On va faire des courgettes farcies à la ricotta. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout c'est succulent. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Pour faire ces courgettes farcies à la ricotta et au parmesan, on va avoir besoin de ricotta fraîche, d'une tête d'ail, d'un petit peu d'origan, d'environ 40 g de parmesan râpé, 10 cl de lait, 5 courgettes environ, hein, 2 à 3 tranches de pain de mie, et puis un petit peu de chapelure que l'on mettra sur le dessus, et également un petit peu de parmesan pour mettre avec la chapelure sur le dessus de nos courgettes, bien sûr du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et j'allais oublier, bien sûr, il nous faudra également un œuf pour notre farce. On va commencer par enlever les extrémités des courgettes. Maintenant, on va les blanchir dans un peu d'eau bouillante salée. Je vais couvrir. Et puis, ben voilà, je vais les blanchir. Donc, dès que ça va bouillir, je vais laisser bouillir environ 5 minutes. Parfait. Je vais les sortir et je vais les égoutter. Je vais maintenant les couper dans la longueur. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement évider les courgettes à l'aide d'une petite cuillère. Alors on y va délicatement pour ne pas les transpercer. Et on récupère la chair à l'intérieur. Voilà, les courgettes sont évidées. J'ai récupéré la chair que j'ai coupée en petits morceaux. Et puis je l'ai mis à, eh bien, à s'égoutter dans un coin, dans un saladier. Donc maintenant, on va s'occuper de la farce. Alors, je vais mettre un peu d'huile d'olive dans le plat qui va aller au four et je vais y déposer les courgettes. Voilà, maintenant on va s'occuper de la farce. Alors on va commencer par émietter le pain et on va y ajouter le lait. On va laisser boire les trois tranches de pain, le maximum de lait, on va le laisser dans un coin. Alors maintenant on va ajouter dans un saladier la ricotta que j'ai faite ce matin. On va ajouter l'origan, on va ajouter la tête d'ail que je viens de couper en petits morceaux, on va ajouter le parmesan. On va ajouter la farce des courgettes, c'est-à-dire la chair des courgettes que l'on a retirée précédemment, ainsi que le pain qu'on a ramolli avec le lait. Voilà, on va obtenir une belle farce. Très bien. On va poivrer et on va saler. Et pour finir, j'ajoute l'œuf. Il ne nous reste plus qu'à farcir nos courgettes. Allez, c'est parti. Alors, ma petite touche perso, je vais rajouter un petit peu de chapelure sur chacune des demi-courgettes et pour finir du parmesan. Allez, on va partir au four 180-200 degrés pour environ 30 minutes. Voilà, 30 minutes au four, les courgettes farcies à la ricotta sont prêtes. Donc vous voyez, elles ont bien doré. Je vais me régaler, je salive déjà. Bon, pour moi, il n'y a plus qu'à. Alors, à table. J'espère que cette recette de courgettes farcies à la ricotta vous a plu. Alors, le must, bien entendu, c'est que vous fassiez votre ricotta vous-même. Vous avez la vidéo sur ma chaîne, vous le savez, donc vous avez vu, en un tour de main, vous pourrez avoir le fromage, et donc vous pourrez l'incorporer dans votre réalisation. Si ce n'est pas le cas, et si vous n'avez pas le temps, vous allez acheter un petit pot de ricotta, et ça fera aussi bien l'affaire, ça sera, j'allais dire, aussi bon. Ouais, on va dire ça comme ça.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cette recette sur vos réseaux sociaux préférés, à laisser des commentaires, à liker sur Facebook, à liker sur Dailymotion ou sur YouTube, à en parler entre amis et surtout, réaliser la recette. Vous allez voir, vous allez faire des heureux, à commencer par vous-même. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Cooking.